On vient d'arriver à Bogara. C'est parti pour 5 jours de trek. Il est 3h05. Première étape, on vient d'arriver à Uleri. Bon, il est 7h du matin et on a une petite vue sympa sur l'Annapurna Sud. Et donc nous, on va ici. J'en peux plus. J'entends l'hélicoptère. On vient enfin d'arriver à Gorepani. Il est 4h30. On va aller voir le lever de soleil. Il peine. On est arrivé en haut. Des fois, tu te poses la question pourquoi tu t'imposes des trucs comme ça. Mais quand tu vois ça, tu te dis bon, d'accord, j'ai eu raison. C'est parti! Il nous faut 2 jours pour redescendre. Tada bang! Les gars, c'est l'heure de l'ouïe. Bonne nuit! Je vais voir très froid. C'est reparti pour une nouvelle journée. Ça me mène coup au moral pour remonter tout ça. C'est ma famille, le retour. Ça y est, c'est terminé. On a le bus juste là. On va revenir à Pokhara parce qu'on a encore plein de choses à faire. Je crois que j'ai un mirage. Du fromage, cool. On vient d'arriver à Katmandou. J'ai comme l'impression que c'est pas les mêmes normes que VF. On va louer une moto pour 2 jours. Bon, on est dans les bouchons népalais. Aujourd'hui au programme, c'est le petit saut à l'élastique. En résumé, on va sauter de là. Et arrivé, eh ben tu vois, c'est tellement bas qu'on voit même pas. C'est haut, hein? 160 mètres. Le Népal, c'est terminé. Et maintenant, on est au Japon. Et si tu veux suivre notre aventure, oublie pas de t'abonner. Si toi aussi t'aimes le fromage, mets un gros pouce bleu sous cette vidéo. Ninja!